Van Vleuten vient premier poteau pour dévier. Ici, voilà, il reste et là, voilà, il marque. Voilà. Et là, il marque. L'ouverture du score par Big Dan, Daniel Van Vleuten. C'est ce qu'on disait juste maintenant, hein, quand ils sont très bons donnés, ce sont des mini-occasions. Et quand au bout, il y a des très bons joueurs de la tête, dont Daniel, voilà, c'est sympa à dire, mais c'est énormément travaillé. C'est bien vu, regardez tout l'espace, tout le couloir libéré pour Anthony Van Den Boer. Belle séquence de la part des Diables à nouveau. Oh, Van Den Boer, le grand coup. Oh, c'est but, auto-but. But inscrit par Košić, mais Anthony Van Den Boer, c'est pour lui. Voilà. C'est pour lui. Moi, avec Anthony, en tout cas, j'ai pas peur offensivement. Parce que voilà, ce qu'il vient encore de démontrer, c'est qu'offensivement, il y a toutes les capacités, les qualités pour pouvoir, en tout cas, jouer à ce poste-là. Mais le problème, pour moi, c'est défensivement. On a vu très bon appel, en tout cas là. Puis le grand pont. C'est le grand pont digne d'un extérieur droit. On voit le très bon contrôle, puis le grand pont. Le bon centre au premier poteau, mais qui a été dévié. D'attaquant, on dira d'attaquant simplement. Defour dépossédé du ballon, on va le suivre ça, cette action, c'est important avec Nicolae qui tente l'appui sur Torje, entrée du rectangle, suivi par Vertonghen, possibilité pour les Roumains. Oh, superbe action, 2-1, but inscrit par Nicolae, il était au départ de la phase, le joueur de Nancy, et ils ont réussi à contourner les Diables au départ d'une perte de balle de Steven Defour. À 35 mètres des buts, très belle séquence de la part des Roumains. Exactement, on était souvent en retard sur le porteur du ballon. Et puis là, c'est pas possible parce qu'il a le ballon, il parvient à se retourner. Voilà, très bon ballon dans le dos de la défense. Et puis, Van Vleuten qui vient. Ouais, il y a penalty, il n'a rien à dire. Faute sur Torje, le joueur de l'Udinese. Il y a penalty, hein. On va voir comment Razvanrat face à Gillet. Gillet peut-être pour un arrêt dont il a le secret. Voilà qui est fait. Voilà pourquoi il est là. Il n'est pas venu pour rien en tout cas. Malgré ses dégagements à répétition, il n'est pas venu pour rien. Mais voilà, on rigole, mais il anticipe bien, il part très bien du bon côté.